Bonjour à tous, on commence cette revue de presse en Espagne avec le journal Marca qui a obtenu l'interview exclusive de Diego Maradona et c'est sa déclaration sur Lionel Messi et Cristiano Ronaldo qui fait la une. Il n'a pas voulu dire que l'un était plus fort que l'autre, il estime qu'ils sont tous les deux au même niveau. Quant à Zinedine Zidane, Maradona est heureux de sa réussite en tant qu'entraîneur, alors que certains dirigeants, selon lui, n'y croyaient pas du tout. Dans la presse catalane, on évoque le prochain mercato du Barça et la priorité est donnée à la défense. Selon El Mundo Deportivo, les dirigeants barcelonais viseraient deux joueurs, Joao Cancelo, le latéral de Valence, et chercheraient également un autre Umtiti, c'est-à-dire un Français jouant au même poste. La piste menant à Lucas Hernandez est de plus en plus sérieuse selon le quotidien. On reste sur le Barça qui aurait un plan pour garder Andrés Iniesta à vie. En effet, d'après le journal Sport, le club catalan prépare une super offre de prolongation qui irait au-delà de sa carrière de joueur. Un poste de dirigeant, d'ambassadeur ou même de coach à la Masia devrait lui être proposé. En Angleterre, Jürgen Klopp aurait déjà rembarré le Paris Saint-Germain avant même l'ouverture du mercato d'hiver. Le club parisien aurait fait plusieurs offres pour s'attacher les services de Philippe Coutinho, l'une des stars de Liverpool. Mais c'est l'entraîneur allemand qui a mis fin aux négociations, il ne souhaite pas le vendre à n'importe quel prix. Cap maintenant sur l'Italie où le Corriere dello Sport croit savoir que la Lazio pense toujours à Entep. Le joueur du Stade Rennais intéresse toujours le club italien, ce serait même encore plus chaud ces derniers jours, étant donné que Keita Baldé sera absent pendant la CAN. Et enfin, on termine avec le Indian Express qui évoque une possible arrivée de Zlatan Ibrahimovic l'an prochain en Inde. En effet, Gianluca Zambrotta, son ancien coéquipier, aujourd'hui entraîneur du Delhi Dynamo, a déclaré qu'il voulait convaincre le géant suédois de jouer en Indian Super League, convaincu que Manchester United n'est pas sa dernière aventure. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous sur Foot Mercato et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.